salle du superviseur, Silo Alpha. Il n'y a personne. Pas même un survivant militaire. C'est peut-être mieux comme ça. Je ne crois pas que ça se serait bien passé si Voltec avait appliqué sa juridiction sur ces têtes nucléaires. Mais... Journal du superviseur, Morgantown. J'adorais venir ici le week-end. J'ai jamais terminé mon brevet de pilotage. Qui aurait cru que l'aérodrome se transformerait en dernier bastion? De quoi sont morts tous ces gens? Cette maladie, cette infection calcinée, elle est partout. Elle touche tout. Les humains, les animaux. Et quoi d'autre? Je ne sais pas comment combattre ce fléau. Mais nous devons étudier toutes les options. Même les missiles. Ces silos sont peut-être notre seule arme. C'est une sorte d'infection. Les gens deviennent fous. Elle est transmise par une espèce d'énorme animal, la sulfurie. Et si les malades restent trop longtemps dans cet état, ils finissent par brûler vifs. Une sorte de combustion instantanée. Le mont Vésuve à l'envers. Mais chaque chose en son temps. La maladie ne doit pas nous contaminer. On dirait que les Samaritains étaient en train de développer une sorte de vaccin. Je vais reprendre là où ils se sont arrêtés. Et vous devriez faire de même. C'était votre superviseur. Terminé. Nous devons détecter la source de cette maladie et l'éradiquer avant qu'elle ne se propage en dehors des Appalaches.
La guerre ne meurt jamais. En 1776, cette grande nation a accepté que les conflits armés étaient la seule manière de préserver notre droit à la vie, à la liberté et à la quête du bonheur. Si nos pères fondateurs nous voyaient aujourd'hui. D'entier d'âme à Amiens, d'Okinawa à Anchorage, nous avons combattu. À présent, la menace rouge est à nos portes. La démocratie elle-même est menacée d'extinction. C'est pourquoi aujourd'hui, le 4 juillet 2076, 300 ans après la création de notre grande nation, nous sommes réunis pour célébrer la fin de la construction de l'abri 76. Ce gigantesque abri souterrain a certes été conçu par Voltec, mais c'est vous qui l'avez bâti, peuple d'Amérique, afin que si les bombes tombent, si notre fin arrive, notre style de vie puisse survivre. Mais tous ne seront pas sauvés. Ceux qui seront choisis pour entrer dans cet abri devront être les meilleurs d'entre nous. Quand les combats auront cessé et que le nuage se dissipera, il sera temps de reconstruire. Pas seulement les façades, pas seulement les bâtiments, mais nos cœurs, nos esprits. Et en fin de compte, l'Amérique elle-même. Nous nous tenons ici aujourd'hui avec l'espoir que le monde connaisse la paix. Mais si notre destin est différent, si la guerre doit arriver, nous serons unis et nous saurons qu'ici, dans l'abri 76, l'avenir nous appartient. Franche avec vous. Je crois qu'on a franchi le cap où je me contente de vous manipuler pour faire le sale boulot. Je crois même que je commence à vous apprécier. Je voudrais pas que vous pensiez « Waouh, Rose, ma super copine se ramollit !» Alors je vais être claire. Si jamais vous avez envie de me doubler, je prendrai cette petite scie et je vous arracherai la peau du menton jusqu'aux orteils pour m'en faire un joli manteau d'hiver. Ne le prenez pas pour vous. Alerte à tous les citoyens. Frappe nucléaire imminente. Veuillez quitter la zone dès que possible. Merci de votre coopération.
Alerte à tous les citoyens. Frappe nucléaire imminente. Veuillez quitter la zone dès que possible. Merci de votre coopération. Journal du... Appelons ça un journal personnel. Rien d'officiel. Juste quelque chose pour moi. Le centre agricole. Un de mes premiers postes chez Voltec. J'étais surexcitée d'y travailler. Parce que j'y venais souvent quand j'étais petite. Je me souviens qu'une année, c'était le festival de l'automne. Je courais au milieu du labyrinthe de maïs. Je prenais n'importe quel chemin. Papa et maman me criaient de ralentir. En rêve. J'ai peut-être toujours voulu brûler les étapes. Je ne voulais pas être simple scout. Je devais être chef de troupe. Je ne voulais pas être bon élève. Je devais être la meilleure. Mon Dieu, que ça me manque. Juste être une enfant. Tous les trois. Notre vie sans histoire. Notre maison sans histoire. Je me demande si elle tient encore debout. Journal du superviseur, sommet du monde. Il y a quelqu'un qui dirige cette ancienne station de ski. Et si je lui mets la main dessus, promis, je lui laverai la bouche avec le premier truc que je trouve qui ressemble vaguement à du savon. Merde, égoïste, c'est le mot que je cherchais. C'est peut-être pour ça qu'elle est seule. C'est peut-être pour ça qu'elle a survécu. Mais le seul moyen qu'elle me dise ce qu'elle sait, c'est que je l'aide en premier. Tous les jours, parler sont morts. Et c'est la psychopathe qui survit. Avec vous. Je crois qu'on a franchi le cap où je me contente de vous manipuler pour faire le sale boulot. Je crois même que je commence à vous apprécier.
Je voudrais pas que vous pensiez « Waouh, Rose, ma super copine se ramollit !» Alors je vais être claire. Si jamais vous aviez envie de me doubler, je prendrais cette petite scie et je vous arracherais la peau du menton jusqu'aux orteils pour m'en faire un joli manteau d'hiver. Le prenez pas pour vous. Alerte à tous les citoyens. Frappe nucléaire imminente. Veuillez quitter la zone dès que possible. Merci de votre coopération.
combinaison de protection, ça pousse pas sur les arbres. Ça a pris des plombes pour récupérer tout ça. Comment ça va? Vous êtes la concurrence? Récupérer avec les meilleurs, ou crever de faim avec les autres? Ouais, on prend des trucs. Et on nettoie ce bordel aussi. Je crois que je vais péter un câble si je dois ramasser encore une boîte d'amiante pure. C'est peut-être pas très joli, mais Emmett Mountain a beaucoup à offrir. Un radix par jour éloigne les ghouls pour toujours. Oh. Ça pue la merde. Radix par jour éloigne les ghouls pour toujours. Voilà. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous voulez quoi? Votre récompense, c'est ce nouveau savoir que je vous ai transmis. Bravo! Bon, d'accord. Je vais vous filer deux, trois conneries qui traînaient.
confiance pour vous confier un petit secret. Avant de tous disparaître, mes potes pillards ont laissé derrière eux une cache remplie de trésors. Le hic, c'est qu'elle est bien verrouillée et impossible d'y accéder. Deuxième problème, ils se méfiaient tellement les uns des autres que personne n'a l'accès total au trésor. Alors ils ont partagé la clé. Chaque chef de gang possédait une holobande contenant leur propre mot de passe dessus. Trouvez-les pour que je puisse les trafiquer et fabriquer la clé. C'est plus technique que ça, mais vous pourriez pas comprendre. Allez d'abord voir la mine de Blackwater. C'est le dernier emplacement de Freddy Lang, la chef des bandits. Je crois qu'elle avait un terminal là-bas. Ça vous... J'ai rien à vous faire faire pour le moment, alors pourquoi vous n'iriez pas faire un tour jusqu'à ce que j'aie besoin de vous ? Ugh!
La guerre ne meurt jamais. En 1776, cette grande nation a accepté que les conflits armés étaient la seule manière de préserver notre droit à la vie, à la liberté et à la quête du bonheur. Si nos pères fondateurs nous voyaient aujourd'hui. D'entier d'âme à Amiens, d'Okinawa à Anchorage, nous avons combattu. À présent, la menace rouge est à nos portes. La démocratie elle-même est menacée d'extinction. C'est pourquoi aujourd'hui, le 4 juillet 2076, 300 ans après la création de notre grande nation, nous sommes réunis pour célébrer la fin de la construction de l'abri 76. Ce gigantesque abri souterrain a certes été conçu par Voltec, mais c'est vous qui l'avez bâti, peuple d'Amérique, afin que si les bombes tombent, si notre fin arrive, notre style de vie puisse survivre. Mais tous ne seront pas sauvés. Ceux qui seront choisis pour entrer dans cet abri devront être les meilleurs d'entre nous. Quand les combats auront cessé et que le nuage se dissipera, il sera temps de reconstruire. Pas seulement les façades, pas seulement les bâtiments, mais nos cœurs, nos esprits. Et en fin de compte, l'Amérique elle-même. Nous nous tenons ici aujourd'hui avec l'espoir que le monde connaisse la paix. Mais si notre destin est différent, si la guerre doit arriver, nous serons unis et nous saurons qu'ici, dans l'abri 76, l'avenir nous appartient.
Identifiant enregistré. Accès autorisé. Code accepté. Avec vous, je crois qu'on a franchi le cap où je me contente de vous manipuler pour faire le sale boulot. Je crois même que je commence à vous apprécier. Je voudrais pas que vous pensiez « Waouh, Rose, ma super copine se ramollit !» Alors je vais être claire. Si jamais vous avez envie de me doubler, je prendrai cette petite scie et je vous arracherai la peau du menton jusqu'aux orteils pour m'en faire un joli manteau d'hiver. Ne le prenez pas pour vous.
Alerte à tous les citoyens. Frappe nucléaire imminente. Veuillez quitter la zone dès que possible. Merci de votre coopération. Alerte à tous les citoyens. Frappe nucléaire imminente. Veuillez quitter la zone dès que possible. Merci de votre coopération. Journal du superviseur, Silo Alpha. Il n'y a personne. Pas même un survivant militaire. C'est peut-être mieux comme ça. Je ne crois pas que ça se serait bien passé si Voltec avait appliqué sa juridiction sur ces têtes nucléaires. Mais... Journal du superviseur, Morgantown. J'adorais venir ici le week-end. J'ai jamais terminé mon brevet de pilotage. Qui aurait cru que l'aérodrome se transformerait en dernier bastion? De quoi sont morts tous ces gens? Cette maladie, cette infection calcinée, elle est partout. Elle touche tout. Les humains, les animaux. Et quoi d'autre? Je ne sais pas comment combattre ce fléau. Mais nous devons étudier toutes les options. Même les missiles. Ces silos sont peut-être notre seule arme. C'est une sorte d'infection. Les gens deviennent fous. Elle est transmise par une espèce d'énorme animal, la sulfurie. Et si les malades restent trop longtemps dans cet état, ils finissent par brûler vifs. Une sorte de combustion instantanée. Le mont Vésuve à l'envers. Mais chaque chose en son temps. La maladie ne doit pas nous contaminer. On dirait que les Samaritains étaient en train de développer une sorte de vaccin. Je vais reprendre là où ils se sont arrêtés. Et vous devriez faire de même. C'était votre superviseur. Terminé. Nous devons détecter la source de cette maladie et l'éradiquer avant qu'elle ne se propage en dehors des Appalaches. Journal du... Appelons ça un journal personnel. Rien de visuel. Juste
quelque chose pour moi. Le centre agricole. Un de mes premiers postes chez Voltec. J'étais surexcitée d'y travailler, parce que j'y venais souvent quand j'étais petite. Je me souviens qu'une année, c'était le festival de l'automne. Je courais au milieu du labyrinthe de maïs. Je prenais n'importe quel chemin. Papa et maman me criaient « ralentir !» Même pas en rêve. J'ai peut-être toujours voulu prôner les étapes. Je ne voulais pas être simple scout. Je devais être chef de troupe. Je ne voulais pas être bon élève. Je devais être la meilleure. Mon Dieu, que ça me manque. Juste être une enfant. Tous les trois. Notre vie sans histoire. Notre maison sans histoire. Je me demande si elle tient encore debout. Journal du superviseur. Sommet du monde. Il y a quelqu'un qui dirige cette ancienne station de ski. Et si je lui mets la main dessus, promis, je lui laverai la bouche avec le premier truc que je trouve qui ressemble vaguement à du savon. Égoïste, c'est le mot que je cherchais. C'est peut-être pour ça qu'elle est seule. Elle a survécu. Mais le seul moyen qu'elle me dise ce qu'elle sait, c'est que je l'aide en premier. Tous les gens qui ont parlé sont morts. Et c'est la psychopathe qui survit.
combinaison de protection, ça pousse pas sur les arbres. Ça a pris des plombes pour récupérer tout ça. Comment ça va? Vous êtes la concurrence? Récupérer avec les meilleurs, ou crever de faim avec les autres? Ouais, on prend des trucs. Et on nettoie ce bordel aussi. Je crois que je vais péter un câble si je dois ramasser encore une boîte d'amiante pure. C'est peut-être pas très joli, mais Emmett Mountain a beaucoup à offrir. Un radix par jour éloigne les ghouls pour toujours. Oh. Ça pue la merde. Un radix par jour éloigne les ghouls pour toujours. Oh,
mettez des explosifs recouverts de bidoches dégueulasses et après... Eh ben, faites tourner vos méninges. Les trappeurs étaient experts en la matière. Y a pas un carnivore affamé qui dirait non à l'odeur de la viande fraîche. C'était la fois où Chuck, le gars qui a eu cette idée de taré, avait mis des appâts explosifs tout le long de la piste après un raid. Quand les Samaritains nous poursuivaient avec leurs chiens de piste, eh bien... On va dire que les chiens ont perdu leur odorat. Ben vous savez, parce qu'ils se sont fait exploser la cervelle. Bref, vous me comprenez. Vous pouvez utiliser votre appât sur ce que vous voulez. Servez-vous-en juste pour buter un truc qui veut vous bouffer. Vous allez encore faire ça.